Bonjour, bonjour. Ouais, il y a quelque chose qui fait du bruit, ça l'harcèle un peu. On va se mettre en route tout doucement. Ok, c'est parti alors. Bonjour et bienvenue à cette journée des alternatives, donc qui va se dérouler sur 2 jours, aujourd'hui 5 avril et demain dimanche 26 avril 2020. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cette journée qui me tient beaucoup à cœur. Avant d'aller un peu plus loin, je vais juste vous donner quelques clés d'usage de BlueJeans, ça pourrait vous être utile. Donc, probablement que vous voyez mon écran en partage, et si vous voulez voir le visage des autres personnes, vous pouvez aller ici en bas à gauche. Vous avez ce petit curseur que vous pouvez déplacer soit plus à gauche, soit plus à droite pour donner plus de place soit à la présentation, soit au visage, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi regarder les visages de différentes façons en cliquant sur ce bouton. Soit vous vous mettez dans un petit coin, soit vous vous mettez en grand. Et puis ici, vous avez la possibilité de vous muter ou de vous démuter. Ok. Donc, je m'appelle Misa Rabbeymanangara. Je suis une passionnée d'autogestion. C'est vraiment une grille de lecture qui revient souvent chez moi et qui motive toutes mes interventions au sein des organisations. Que je pense que passer d'un fonctionnement hiérarchique à des équipes auto-organisées et pourquoi pas au-delà auto-gérées, ça nous permettrait d'arriver à un environnement plus sain. Et donc je me définis comme une agilopathe, la médecine douce des organisations pour aller vers plus d'auto-organisation et au-delà. En attendant que les gens se connectent, je vous propose de vous raconter rapidement les origines de cette journée. Donc la journée, elle va tourner autour de la misarchie, et pour ceux qui me connaissent, ça n'a malheureusement rien à voir avec mon prénom, même si c'est comme ça que j'en ai eu connaissance, et je crois que le premier post que j'avais mis sur LinkedIn, c'était quelque chose du genre Ah, ça y est, je suis amoureuse, il y a quelqu'un qui a écrit un livre avec mon prénom dedans. Donc après, j'ai regardé un peu plus en détail ce qu'il y avait dans le livre en écoutant des podcasts et en lisant la couverture et je me suis dit, ah oui, ça c'est probablement un livre qui va m'intéresser. Donc, je l'ai acheté, je l'ai lu et je l'ai vraiment adoré et j'ai commencé à en parler autour de moi. Je l'ai offert et donc aujourd'hui, je vous propose de le découvrir et d'en faire un point de départ de réflexion. Pour tous les sujets, je pense qu'ils sont vraiment importants pour nos organisations et probablement même au-delà pour nos sociétés. Donc à la base, c'est vraiment une idée très égoïste, hein. Cette journée, c'était que je voulais absolument échanger de vive voix avec Monsieur Dequesse pour me faire une idée de transition possible vers un système qui soit plus en accord avec mon besoin de liberté. Il y a énormément de choses que je trouve intéressantes dans ce livre et je me suis dit que si on était plus nombreux à lui poser des questions, sûrement que j'en apprendrais plus. Donc voilà la partie égoïste de cette journée et c'est comme ça que la journée des alternatives est née et je me suis dit aussi que le modèle, c'est pas tant le modèle qui est important, mais plutôt la façon, la réflexion qui a mené à un modèle ou à un type d'organisation, sachant même que dans le livre, on voit différents types d'organisation. Et donc, ce que je cherche, en fait, c'est à trouver un chemin, des guides de réflexion qui permettraient aux collaborateurs de se définir un système qui leur convient un peu, beaucoup, passionnément. Et pour ça, je me suis dit qu'on allait avoir besoin de plein plein de sources d'inspiration.
dont des pratiques d'innovation. Et donc, j'ai invité aussi à co-construire ces journées des alternatives. J'ai invité Carole Stromboni, qui a écrit un livre sur l'innovation. Donc, elle se présentera tout à l'heure. Je pense aussi que pour créer ces environnements qui sont porteurs qui permettent en fait aux individus dans les organisations de se créer ce chemin, ben on a besoin de facilitation, on a besoin de plus d'humanité et d'échange. Et donc j'ai invité Cécile Caillot et Tiphaine Ducharme. Donc Cécile qui est une experte du théâtre en entreprise, mais elle se présentera tout à l'heure. Et Tiphaine qui est une experte de l'éducation populaire. Et puis, j'ai aussi invité Saïd, parce qu'il a des idées sur ces sujets depuis longtemps, et il est en train de lancer un projet pour créer un village écolo en région parisienne. Et donc ça, c'est aussi l'objet d'un des sujets de discussion de ce matin après-midi. Et aussi, comme je pense que dans ce chemin, on n'arrête pas d'apprendre, et que c'est grâce à cette boulimie d'apprentissage qui existe chez l'humain qu'on peut justement inventer des nouvelles choses. Nadia sera peut-être avec nous demain pour parler Montessori. Et on a encore une dernière intervenante que j'ai eu la chance d'accompagner chez un client précédent et qui aujourd'hui propose de discuter la rémunération avec vous. Voilà pour les intervenants qui se présenteront tout à l'heure. Alors, où on en est du nombre de participants? Donc, on a 24 personnes qui sont arrivées. Peut-être qu'on peut maintenant, si vous le souhaitez, comme j'ai un petit peu mis la table sur l'objectif de la journée et les participants, je vous invite à aller sur ce site qui s'appelle menti.com. Vous pouvez utiliser votre téléphone, hein. Ça va être hyper rapide. menww.menti.com. Et ça va vous demander de renseigner un code. Donc 88 10 62. Ça va nous permettre en fait de savoir un peu qui est dans la salle, cette salle agrandie. Exactement. Donc, sous vos yeux ébahis, s'affiche progressivement le nombre de personnes et d'où ils se connectent. Donc sur menti.com et le code c'est 88 10 62. Ok, super, ça fonctionne pour tout le monde. Prêt pour la. Alors, je m'attendais à avoir des Québécois, je vous avoue. C'est peut-être un peu tôt. Donc, il y a quelqu'un qui n'est pas en France, là. Je suis curieuse de savoir. Ce serait possible pour cette personne de se démuter juste pour savoir d'où elle se connecte? C'est pas moi. Ah, Farmer d'Allemagne. Ok, bienvenue, bienvenue. Cool. Allez, on avance. Question suivante. Dans quel rôle vous reconnaissez-vous? Alors, j'avais traduit en québécois pour l'occasion, c'est la partie gestionnaire. Hein. Coach agile, facilitateur ou autre. Ah oui, il y a beaucoup d'autres.
Que des électrons libres ici, ça me plaît déjà. C'est cool. Et en fait, les autres sont des les autres qui sont pas des autres sont des autres qui s'ignorent. De toute façon, on n'a qu'à voter ça, alors que les autres sont majoritaires, et donc on doit pouvoir. Ah non, c'était égalité, égalité. 9 partout, où c'est chaud. Oh là, ouh, ça bascule. Bon. Vous êtes prêts pour la question suivante? Ah oui. Allez, c'est parti. Pourquoi vous êtes là? Parce que c'est quand même un samedi après-midi. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Merci pour votre temps. Un gros curiosité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cool. Parfait. Crois qu'il y a encore une question. Ou deux même. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire avec cette journée? À vous. Je prends 2 petites minutes pour envoyer des informations. Excusez-moi. Beaucoup d'apprendre, beaucoup de curiosité, ça roule, de la rencontre. Et puis dernière question, là c'est plus pour mon marketing, si vous avez la gentillesse de répondre pour savoir comment vous avez eu connaissance de l'événement. Et après, on passe. Ok, cool. Bon. Merci beaucoup. Un peu, ça marche. Alors, comment ça va se passer la journée? Donc là, il y a encore un petit quart d'heure de règles et de comment ça fonctionne, parce que ce qu'on a voulu faire, c'est
avoir comme un open space en fait, d'accord? Comme un forum ouvert en ligne. Donc on vous a préparé un outil repère. S'il y a un outil qu'il faut pas perdre de votre PC, en gros, c'est celui-là. Ce sera le draft.io. Et sur cet outil draft.io dont je vais vous donner l'URL, hein, il y aura juste à la copier-coller dans votre navigateur. En fait, il y a ce plan de maison, en gros. C'est comme si on était dans une maison, et dans cette maison, il y a différentes pièces. Et quand vous cliquerez sur le nom là, des pièces, vous allez vous téléporter dans cette pièce. Donc ça va vous ouvrir un onglet, une page internet. Donc, salle Bleu Blanc Ruche, salle UT7, salle Ardelaine, salle Boismondo et salle Gravity Payments, et la salle Jardiner, c'est possible. Sont des salles Jitsi pour information, donc c'est un autre outil, mais pareil, ça fonctionne juste avec une URL. Et celle-ci, la salle Bienvenue Séjour Salon, c'est celle où nous sommes là maintenant, tout de suite. D'accord? Donc vous avez plusieurs façons d'aller dans ces salles, soit vous cliquez directement sur le plan, soit vous cliquez sur le lien qui est ici, en face du programme. Et ce programme est aussi disponible sur le draft.io. Donc une recommandation, puisque ça risque d'utiliser quand même pas mal de bandes passantes, et puis vous avez qu'un seul haut-parleur, et puis comme dans la vraie vie, on ne peut pas être à deux endroits en même temps, même si c'est très 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 frustrant, et vous ne pourrez pas écouter toutes les discussions. Donc je vous invite à fermer l'onglet Blue Jeans quand vous n'y êtes pas, quand vous basculez dans une autre salle. Et donc tant que vous gardez le draft.io, en gros, vous pouvez vous rebalader d'une salle à l'autre vraiment sans souci. Donc le programme d'aujourd'hui, il est celui-ci. Donc là, on est dans la phase d'introduction. Ensuite, on aura 1 heure et quart de voyage en Misarchie. On se prendra un petit quart d'heure de pause parce que sinon, je pense qu'on risque d'être très très fatigué, d'être assis 4 heures tout focus sur notre écran. Ensuite, on fera comme dans un open space, une petite place de marché. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour vous présenter les sujets qu'on a identifiés. Et puis si d'autres personnes veulent proposer des sujets de discussion, il y a d'autres salles ici qui sont prêtes à accueillir ces sujets de discussion. D'accord? Et puis s'il n'y a pas assez d'espace ici, eh ben on pourra les jouer ici le dimanche. D'accord? Donc chaque salle a un animateur. Donc pour innover en pratique, ce sera Carole. Pour le village écolo, ce sera Cécile et Saïd. Pour la rémunération, ce sera Yaël. Pour la partie éducation populaire, est-ce que les salariés doivent participer aux décisions stratégiques, ce sera Tiffaine. Et puis ici, selon besoin, ben, soit vous pouvez faire appel à moi ou une personne peut se nommer en tant qu'animateur. Et donc vous avez les salles, on va dire, boulot, atelier, et puis une salle ici, donc qui s'appelle Jardiner, c'est possible, où vous allez juste pour vous balader ou rencontrer les gens. D'accord? C'est vraiment comme dans un forum ouvert. Donc je ne vais pas rappeler toutes les règles, mais je pense qu'il y en a une qui est vraiment très importante, c'est la règle des deux pieds. Bon, alors, on va dire que c'est la règle de la souris. Quand vous considérez que vous contribuez plus ou que vous apprenez plus suffisamment, donc dans un sens ou dans l'autre, ben vous prenez votre souris et puis vous cliquez sur une autre salle, et puis vous allez voir ce qui se passe dans une autre salle. Donc tant que ça vous plaît, vous y restez, et puis quand vous estimez que ça satisfait plus suffisamment vos besoins ou que vous n'apportez plus suffisamment à la discussion, ben vous pouvez aller dans une autre salle. Donc vraiment sentez-vous libre de vous balader dans ces salles comme il vous plaira. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? C'est bon, ok. Si, moi j'en ai une petite, que Oui. les conférences seront enregistrées. Tu peux répéter? Est-ce que chaque salle sera enregistrée ou pas? Non, il n'y a que la salle Blue Jeans qui peut être enregistrée en fait. Ouais, ça, c'est un gros sujet de frustration pour moi, désolé, mais j'ai pas trouvé comment faire. J'aurais bien aimé entendre des conférences des autres. Bah ouais, moi aussi. Ben justement, pour pallier à ça,
Parce que moi aussi, c'était une grosse source de frustration. J'ai créé un, enfin, on a créé, pardon, un Google Drive où on pourra mettre en fait le résultat de chacun des ateliers en fonction de ce que vous pensez utile à partager avec les autres. Enfin, tout ce que vous souhaiterez partager avec les autres, on peut les mettre sur ce Google Drive. Et justement, le document qu'on est en train de balayer ensemble, là, il est déjà stocké. Ok? C'est bon pour vous? Tu peux, pardon, tu peux mettre le lien dans la conversation, s'il te plaît? Merci. J'arrive. Ouais, je vous donnerai l'autre après. Monde, on a fait. Donc oui, un grand merci aux co-organisateurs, hein, parce que sinon ça n'existerait pas cette journée. Simplement. Et donc je vais les inviter à prendre la parole. Alors juste que vous ayez le temps de vous préparer à vous démuter. Donc la première ce sera Carole, ensuite ce sera Cécile, Saïd, Tiffen et Yaël. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir, s'il vous plaît, Carole Tromboni? Carole, à toi. Démute, Carole. Carole. Oui. On t'entend pas. Je vois que t'es pas muté, mais on t'entend pas. Bon bah écoute, en attendant que Carole réussisse à brancher son micro, je sais pas ce qui se passe. Je vous propose que Cécile se présente. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça marche? Oui. Ouais. Oui. Bonjour, donc moi c'est Cécile Caillot, je fais du théâtre d'entreprise comme Mise l'a évoqué tout à l'heure. Mon parcours très rapidement après plus de 20 ans chez des éditeurs de logiciels financiers à faire de la gestion de projet, des process transverses et à faire en parallèle ma passion le théâtre, j'ai trouvé un pont entre ces deux mondes. Et j'ai créé donc ma société Scène de Style. Je pars sur des formations basiques de prise de parole en public et après j'adapte ça aux différents besoins, autant dans le milieu sportif où là je fais de la cohésion d'équipe pour des équipes de GR en ce moment, les expressions du visage et je travaille aussi avec des étudiants sur la préparation des examens oraux. Donc voilà, différentes offres que j'adapte selon les besoins, les demandes. Et donc je suis là aujourd'hui en tant que co-animatrice et je serai sur le village écolo avec Saïd tout à l'heure. Merci beaucoup, Voilà. Cécile. Merci beaucoup. Est-ce que Super. Carole, tu veux qu'on reteste? Donc j'ai vu que tu avais mis des liens dans le chat, mais à un moment ou à un autre, il va falloir que tu parles. Donc il faut que ça fonctionne. Carole. Mais vas-y, parle pour voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ah bah là, ça fonctionne. Vas-y, Ah. vas-y. Mais il faut que tu parles fort. Plus fort en fait. Vous Ouais, plus m'entendez fort, là? beaucoup plus fort. À peine, mais vas-y. Beaucoup plus fort, mais Ouais. je crie là, moi. Comment ça se Oui, bah fait? vas-y, parfait. Plus fort comme ça. Donc bonjour, bah moi, donc c'est ce que je disais dans le chat. Moi, je pense que l'innovation, ça peut vraiment être émancipateur. Ça fait 15 ans que je travaille dans le digital et dans l'innovation. D'abord dans le conseil, ensuite longtemps en Seine-Saint-Denis pour améliorer le service public. Et là, j'ai embrassé la vie de freelance depuis 1 an et demi, pendant laquelle j'ai passé 4 mois à écrire un livre dont vous voyez la couverture là chez Erol.
et qui un peu expose tout ce que je pense qu'on peut faire avec l'innovation de bien, avec plein de retours d'expérience et des fiches pratiques. Et du coup, voilà, ben moi, je suis très contente d'être là cet après-midi avec Mise, que j'ai rencontrée au forum ouvert de l'été dernier, un forum Open Agile. Voilà. Merci beaucoup, Carole. À tout à l'heure. Saïd, c'est à toi. Alors, moi, j'ai une carrière de 20 années dans le de la formation derrière moi. C'est pas ma formation d'origine. Je viens de un peu de la gestion et puis du monde de l'éducation populaire. Donc, et puis de l'événementiel. Donc, à un moment donné, après 20 années de travail dans les grandes sociétés, là où j'ai rencontré d'ailleurs Lise, les grosses sociétés du CAC 40 où on extrait la substantifique moelle de nos cerveaux à bas prix, j'ai décidé d'aller voir ailleurs et puis je me suis retourné vers mes premiers amours qui sont effectivement la culture, l'éducation populaire, les modes de vie et d'organisation alternatifs. Et en l'occurrence, j'ai embarqué tout un tas de zozo avec moi. Hop, j'ai branché, excusez-moi. Hey, attends. Tu t'es muté. Attends. Ah, excuse-moi. Donc ouais. Oui, on s'est embarqué avec toute une équipe de gens qui viennent de milieux divers et variés. Des producteurs de musique, des informaticiens, des permaculturistes, et on essaie de fonder un village qui corresponde un peu à nos attentes. Voilà. T'es sur mute. Merci beaucoup, Saïd. On va en savoir plus tout à l'heure. Ouais, j'étais sur mute. D'accord. Allez, on passe à la personne suivante qui est Tiffaine. Enfin, dans la suite de l'éducation populaire, je vois. Tiffaine, à toi. Ah non, on t'entend pas. Parle plus près du micro. Et là, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Vas-y, c'est bon. Alors. C'est bon, Tiffaine, tu peux. Oui. Ouais. Alors, je vais. Je sais pas où vous en êtes parce que depuis tout à l'heure je galère pour me connecter, donc là je me suis mise sur le téléphone. C'est le moment où tu te présentes en fait. Qui es-tu, Tiffany? Ok. Qui suis-je? Je suis une militante de l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un mouvement qui prend ses racines dans la Révolution française et notamment dans. Dans les moments de la Révolution française qu'on a appelé les cahiers de doléances, qui ont fait remonter toutes les doléances du peuple, et dans l'inquiétude des révolutionnaires de se demander comment on pouvait faire pour que les gens qui étaient les sujets du roi deviennent des citoyens. Et donc, en fait, de ce questionnement, il y a eu tout un tas de mouvements qui se sont construits au fur et à mesure de l'histoire dans toutes ses dimensions et qui a fini toujours par se tourner vers à la fois ce qu'on connaît le plus de l'éducation populaire, c'est tout ce qui est périscolaire, les colonies de vacances, tout ce qui était lié aux congés payés, les cours du soir, les trucs comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on connaît le plus, l'accès aux loisirs, l'accès aux vacances, avec des mouvements comme les jeunesses, enfin qui se sont fédérés comme les jeunesses en plein air, avec les CMEA qui forment les animateurs, etc. Et tout un champ de diplômes aussi de ce que avant on appelait les jeunesses et sports. Donc ça, c'est, on va dire, pour la partie la plus connue et la plus institutionnalisée. Et puis, il y a, en fait, l'éducation populaire, elle est aussi très ancrée dans le mouvement ouvrier, le mouvement social. Elle s'est beaucoup développée avec des outils de réunion, de prise de décision dans les grands moments de crise.
prise, comme par exemple dans le maquis résistant, ou la loi Le Chapelier, quand les ouvriers n'avaient pas le droit de se réunir, etc. Donc avec des tas de formes qui permettaient de surmonter les problèmes du fait que tout le monde ne savait pas lire, du fait que tout le monde n'avait pas accès au savoir, que éventuellement leur réunion était interdite, etc. Donc il y a l'éducation populaire, elle s'est créée, ancrée dans la vie des plus démunis. Et donc aujourd'hui, en tout cas en France, elle se caractérise par le travail de, on va dire, si on devait faire une définition, enfin en tout cas celle où mon association, la coopérative citoyenne, on se réfère, c'est éviter les phénomènes de domination pour essayer d'intensifier les processus démocratiques. Du coup, bah, aujourd'hui, moi, il y a une forme qui a pas mal de succès qui s'appelle les conférences gesticulées. Donc, ce que je fais moi, j'ai créé il y a 5 ans une conférence gesticulée sur les déchets, une autre l'année dernière sur les droits des enfants, et puis une collective sur justement l'engagement, la démocratie, la révolution. Avec deux autres personnes. Donc on va dire que ça, c'est plus ou moins mon métier, puisque aujourd'hui je suis intermittente du spectacle et que c'est principalement mon activité. Du coup aussi, on fait avec cette association, la coopérative citoyenne, pas mal d'interventions pour accompagner des collectifs de gens, des associations, des syndicats, des tas de voilà, et où là on va les aider en fait à faire on va les accompagner quoi dans le processus qui est le leur d'essayer de faire en sorte que leur intention associative, enfin leur intention collective, puisse fonctionner de façon à la fois efficace et en même temps la plus respectueuse et la plus intense au niveau démocratique quoi. Voilà. Ok, et donc aujourd'hui tu as un atelier que tu nous présenteras tout à l'heure pendant la place de marché. Merci beaucoup, Tiffaine. Et pour finir, la liste des intervenants, hormis Emmanuel qui se présentera tout à l'heure, puisqu'il a toute 1h15 dédiée à lui et à son livre, Yaël. Bonjour à tous. Merci, Miss, d'avoir mis cette photo en gros plan. Ça montre que la quarantaine fait des ravages quand on voit la caméra. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Yaël Ibiki. Je travaille en tant que responsable qualité et j'ai également une formation en tant qu'agilopathe coach agile. Donc voilà, et moi je serai là pour organiser avec vous l'atelier qui concerne la définition d'un système de rémunération sain au sein d'une entreprise. Belle promesse, voilà. Merci Gaëlle. Ok, donc pour que cette journée et la journée de demain se passent bien, je vous propose... C'est quelques règles. Donc, petit rappel pour votre bande passante, quand vous passez d'une salle à l'autre, fermez la salle d'avant. Mais gardez bien le draft.io à l'écran pour pouvoir basculer d'une salle à l'autre. Vous mettre en muet par défaut, je vois que vous êtes bien habitué maintenant en ligne. Dire votre prénom avant d'intervenir, vérifier est-ce que la personne ait terminé son propos avant, et puis partager le temps de parole, essayer de ne pas trop monopoliser. Si vous êtes habitué à ces gestes-là, ça peut peut-être vous aider entre le temps de démute et tout ça. Donc, c'est communiquer sans parler, le oui, hein, oui ou non, ou pas d'accord, mais j'ai une proposition. Ça, c'est pour le silence, hein, comme ça, je ne sais pas trop. Enough, c'est le Elmo, ça, déjà dit, trop long, si vous voulez que la personne parle plus fort. Et puis, une petite pause pour faire un focus sur un point technique. Ceci est également sur le draft.io, donc pas de problème, vous l'aurez. Et puis, petite recommandation, là typiquement il y a une personne qui est pas en mute, du coup ça fait de l'écho aussi pour les autres. Attendez, hop, je remets tout le monde en mute, parce que j'ai ce pouvoir. Donc, mes humbles recommandations, si jamais vous avez des Québécois dans la salle, je vous propose qu'on opte tous pour le tutoiement. Comme ça, pas de question, vous, tu, on part tous sur du tu. Et puis, le sarcasme, je l'ai appris au Québec, c'est pas forcément compris, en fait.
Donc, si vous êtes français et que vous partez sur du sarcasme, peut-être un petit disclaimer, attention sarcasme. Et puis pour les Québécois, je vous assure, c'est juste une façon de dire les choses pour que ça sorte plus facilement. Ça n'a rien de, c'est pas du tout dans une optique d'agression ou quoi que ce soit. Si ça peut aider. Qu'est-ce qui reste d'autre avant ça? Oui, ben voilà, le lien, bien sûr. Le lien vers le draft.io. Et là, je vous en ai bien parlé. Ah! Si vous ne l'avez pas, ça n'aide pas. Hop. Voilà, je viens de le mettre dans le chat. Et donc, ce document est également dans le drive, dans le Google Drive, ici, d'accord? De la journée des alternatives. Il faut le saisir en minuscule, l'URL en question. Ok. Oui. Elle apparaît en minuscule. Oui, 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 tu as raison, tu as raison. C'est cool. Parfait. Donc c'est bon, vous arrivez tous à vous connecter. Donc là, si je prends un peu de recul sur le draft.io, vous avez la maison en haut à gauche, des signes là si jamais vous avez oublié, et puis le programme de la journée de samedi, ici, le lien vers le Google Drive, il suffira de cliquer dessus. Le programme du dimanche, ben, on le fera en fin de journée, là, en fin de passage. Et puis, si vous voulez partager des choses, il y a toute une partie ressources à partager qui est ici en bas à gauche. OK? Bon. Ben, on va commencer notre voyage en Misarchie, alors, si c'est bon pour tout le monde. Bien, bien. Alors, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir le visage facilement des gens qui interviennent. Excusez-moi, mais j'ai 40 000 sessions d'ouvertes. Pareil, hop. T'es pas doué, hein? Sarcasme. Non, vraiment, vraiment, vraiment. J'arrive, je vous assure, j'arrive. Allez, Emmanuel, est-ce que tu es prêt? On va te cuisiner. On va passer à l'interview de l'inventeur de la Misarchie, ce magnifique donc, pays qui porte mon nom. Merci beaucoup. Alors, j'ai prévu trois grandes étapes hein, qui devraient répondre à nos besoins en commun, j'espère. Donc, je vais me permettre d'introduire le livre par la compréhension que j'en ai eue, parce que j'imagine que toutes les personnes qui sont dans la salle ne l'ont pas lu. Donc, je précise, c'est une interprétation, c'est ce que moi j'ai lu. Ce sera probablement parce que vous lirez quand vous lirez le livre. Ensuite, j'enchaînerai avec quelques questions. Ça devrait prendre 30-45 minutes. Si au fur et à mesure, vous avez des questions, ben, je vous invite à les poser dans le chat. En fait, Yaël s'est portée volontaire pour les récapituler et puis ensuite les poser à Emmanuel une fois que j'aurai fini moi de le cuisiner. Comme ça, on continuera à le cuisiner ensemble. Et puis si au bout d'une heure et quart, il y a encore plein de questions... Ben, ce qui est super pratique, c'est que en fait, il a accepté d'être là aussi demain. Donc, et puis si cette nuit vous avez encore des questions, on pourra encore les lui poser demain. C'est ça qui est bien. Donc je sais que parmi vous, certains ont déjà rencontré Emmanuel lors du meet-up Holacracy Paris le 9 mars dernier. Hein. Ça c'est pour ceux qui sont à Paris et puis c'était avant le confinement, donc il y a des chanceux. Mais pour les autres, est-ce que Emmanuel, tu veux bien te présenter en quelques minutes? Je suis professeur de droit, c'est mon métier, donc je suis universitaire. Je fais plutôt du droit du travail, donc j'ai écrit beaucoup de littérature grise, des manuels, des articles de droit du travail. J'ai même dirigé un contre-code du travail, puisque le code du travail actuel, je ne sais pas s'il a des défenseurs, mais j'en ai jamais rencontré. Il est vraiment atrocement complexe et très difficile à lire. Et donc, il m'avait semblé qu'il était très facile de faire plus simple
et tout en restant protecteur et même en étant davantage protecteur que le code actuel. Donc ouais, ça fait partie des choses que j'ai faites. Et puis j'ai écrit, et c'est pour ça que je suis là, un livre qui s'appelle Voyage en Isarchie, qui reprend sous une forme d'utopie romancée, en réalité, des réflexions politiques que je mène depuis beaucoup trop longtemps pour que ce soit susceptible d'être dit officiellement, quoi. Mais au moins 25-30 ans, quoi. Et qui avait déjà donné lieu à un premier ouvrage et tentative. Et enfin, je suis enfin arrivé à m'exprimer complètement grâce à cette forme qui est la forme de l'utopie. Et j'en suis donc assez content. Merci beaucoup. Moi aussi, j'étais bien contente de le lire. Alors, je vais vous raconter ce que moi j'ai compris du livre avec tous les filtres que ça implique. Donc, j'ai l'impression que dans Voyage en Isarchie, Emmanuel, tu nous proposes une alternative au capitalisme au sens centralisation, concentration des richesses produites entre les mains de quelques-uns, à l'hypercentralisation du pouvoir de décision qui induit de fait une réduction des libertés individuelles. Et donc, c'est un essai que j'ai vraiment aimé lire parce que, et que, en fait, quand tu le lis, tu ne le lâches pas parce que, enfin, tu lis, quand. Tu au sens large, hein. Parce que les descriptions sont assez longues pour nous permettre de nous mettre dans la peau du personnage, mais juste assez longues pour avoir envie d'en savoir plus et de continuer à dévorer le livre. Donc en fait, on s'ennuie pas, ce sont des descriptions que je trouve absolument utiles pour comprendre le contexte et l'histoire. Si je devais résumer le livre en une phrase, je dirais c'est la description d'un exemple de système qui pourrait permettre à chacun d'exprimer son libre arbitre. Alors c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Sébastien Debourg. Il est né en 1972, il est professeur de droit à l'université de Cergy-Pontoise. En 2016, il prend l'avion pour se rendre à un colloque à Sydney, je crois, si je me souviens bien. Et puis son avion se crache et il découvre comme ça l'Arcanie. En Arcanie, le régime politique, c'est la misarchie. Donc, la définition qui est au dos du livre, c'est régime dont le principe est une réduction maximale des pouvoirs et des dominations. Donc Sébastien vit pendant 3 mois dans ce pays. Il y découvre les croyances, les lois, les cultures, les organisations de la société, des entreprises aussi, qui sont bien différentes de celles de la France. Et puis nous vivons ces surprises, ces interrogations, ces prises de conscience, ces remises en question, ces réflexions. Et honnêtement, après d'autres livres comme Liberté et compagnie ou encore Ricardo Semler et la description de comment il a révolutionné SEMCO, ça fait partie des livres qui ont vraiment chamboulé ma vision du monde. Donc ce que j'en retiens et ce qui m'a étonnée et qui me pose encore question, l'organisation de la société en fait. Il n'y a plus de nation, il n'y a pas de nation, c'est une organisation de société sous forme de petites communautés auxquelles les personnes adhèrent de façon volontaire. Donc, ce sont des. Donc, il y a des CoTex, communautés territoriales exclusives, des associations, des districts. Les CoTex font moins de 200 hectares et moins de 200 personnes. Chaque communauté a son propre code que les personnes acceptent de respecter lorsqu'elles choisissent d'adhérer à la communauté. Donc, l'éducation des enfants intègre des rotations infantiles. C'est un peu comme des vie ma vie. Je suis dans une culture, je ne sais pas, sénégalaise, ou je suis dans une culture. D'Europe du Nord, de l'Est par exemple, hop. Donc les enfants en fait font des rotations, ils font des vie ma vie, donc ce qui permet de réduire l'ignorance des cultures et donc le racisme. Il y a une totale suppression de la monnaie physique pour diminuer la corruption et l'évasion fiscale. Il y a une seule banque, la Caisse centrale, qui gère la monnaie commune, le Bigor. Par contre, il existe des petites monnaies dans les associations pour les échanges de tous les jours. Et ces petites monnaies sont exonérées de taxes et cette monnaie est éphémère. Alors ça, je vous avoue, je n'ai pas encore tout compris, parce que les compteurs sont remis à zéro régulièrement. Ensuite, la gestion des communs, elle est réalisée par les districts auxquels l'adhésion est obligatoire et ils sont totalement indépendants les uns des autres. Donc il y a une vingtaine de districts, l'éducation, la santé, la caisse centrale, donc la banque en fait partie, la collecte des impôts, la police, l'eau, les réseaux de communication informatique et même la justice. Les preneurs de décision des districts en charge des communs sont pour partie élus et pour partie tirés au sort. En cas de point de vue partagé, c'est l'avis des personnes tirées au sort qui prévaut. La négociation des budgets de tous ces communs, là, des 20 sujets, des 20 communs, est faite tous les 5 ans avec des décisions à l'unanimité. Tant qu'ils n'ont pas l'unanimité, ils n'ont pas tous les budgets.
J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de référendums, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, des référendums révocatoires ou des référendums pour éventuellement découper, par exemple, des Cotex. Quelque chose qui m'avait frappé aussi, la recherche de la consommation durable avec des niveaux d'usure de vêtements. Donc on peut acheter des vêtements avec différents niveaux d'usure. Et la notion de propriété aussi avec cette notion de bien fondant, les prêts sans intérêt. L'existence de biens personnels et impersonnels, qui est une transposition des biens meubles et immeubles. Donc, ce qui peut bouger avec une personne ne peut pas être possédé s'il n'est pas utilisé. Bon, vous voyez que celui que j'ai, il y a un peu moins de 400 pages. Donc, tu nous revisites juste toute la société, quoi. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça, chamboulé? Tout chamboulé. Pourquoi tout? Oui, pourquoi La avoir question, c'est tout ça? revu comme ça? Oui, pourquoi avoir. En fait, il est impossible de construire une évolution importante du monde sans tout changer. Si on change un seul morceau, en fait, les différents morceaux sont liés. D'ailleurs, j'ai essayé, j'ai écrit un code du travail avec des collègues. Donc alors, supposons qu'on garde tout sauf le code du travail et qu'on fait un nouveau code du travail qui serait super, le code du travail dont on a envie. Eh bien, même si ce code du travail est très grandement amélioré, si on n'a pas changé le droit bancaire, si on n'a pas changé le commerce international, si on n'a pas changé les relations de pouvoir dans les entreprises, si on n'a pas changé énormément de choses, eh bien, on n'a pas changé le monde. Et le droit du travail qu'on peut améliorer, on peut l'améliorer, mais faisons attention, puisqu'on est quand même dans un système qui, par ailleurs, est resté inchangé. Si on veut construire une société qui nous plaise, eh bien, en fait, comme tout est assez interdépendant, il faut tout changer. Donc, par exemple, à une certaine période de l'histoire, il y a eu des impôts très importants qui sont montés jusqu'à plus de 90% des tranches supérieures de revenus. Ça a existé. Mais évidemment, sur le long terme, ça pose des questions qui sont relatives à la fuite des capitaux et au contrôle des flux monétaires. Et donc, si on fait simplement une augmentation de ces tranches les plus élevées de l'impôt sur le revenu, ce qui semble une mesure de redistribution sociale utile, sans du tout s'intéresser aux flux monétaires et sans du tout s'intéresser à l'internationalisation de la monnaie, on n'arrive à rien. Donc, on est bien obligé de faire les deux à la fois. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, si on fait une diminution massive du temps de travail en faisant travailler éventuellement les gens plus jeunes pour qu'ils soient autonomes financièrement plus jeunes avec un nombre d'heures très limité, ça suppose aussi que les gens puissent étudier à deux tiers temps, à mi-temps, de façon simplifiée, ce qui suppose aussi une compréhension un peu différente du système d'éducation, lequel, etc., etc. En fait, tout fait bloc. Et donc, il est indispensable, si on veut imaginer un monde vraiment sensiblement différent du nôtre, de tout changer. Ce qui rend d'ailleurs la tâche particulièrement difficile. Et c'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai pris la forme que j'ai adoptée, à savoir la forme du roman un peu utopique, puisque ça permet de simplifier grandement les choses. Au début, j'ai essayé de l'écrire sous la forme d'un essai. Ce livre, Ça fait chier, putain. d'un essai traditionnel. Le problème, c'est que comme il s'agit d'inventer une société radicalement différente de la nôtre et donc de tout changer, il faut faire un essai sur tout. Et alors ça, c'est un peu beaucoup. Et dans ma grande ambition, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé pour de vrai. J'ai commencé et j'ai fini par écrire la moitié de l'introduction. Ça faisait déjà 300 pages. Je l'ai publié comme un premier livre. Et j'étais découragé puisque la moitié de l'intro, c'était déjà 300 pages. Si vous voulez faire ça sous forme d'essai, rien que sur la propriété, pour faire ça soigneusement avec les notes de bas de page qui vont avec les citations, les références, il vous faut un gros tome de 600 pages, rien que sur la propriété en réalité. Et ensuite, vous vous intéressez à la monnaie, vous n'en tirez pas à moins de 600 pages. Etc., etc. Donc, ça suppose de remplir une bibliothèque. Et je me suis aperçu que de mon vivant, vu la vitesse à laquelle j'écris, ça semblait peu probable.
Alors que si on le fait sous forme misarchique, enfin sous forme d'essai utopique, c'est beaucoup plus facile. Vous allez raconter votre théorie de la propriété à travers deux, trois personnages qui se rencontrent dans un bistrot et qui commencent à discuter. Et alors là, pas besoin de notes de bas de page, on peut aller directement aux grandes questions et ça gagne énormément de place. Et ça gagne aussi énormément de temps. Et donc, il devient possible de faire un système global comme ça. Voilà. Alors, attention au genre de l'utopie, hein, parce que les utopies habituellement rédigées sont des mondes parfaits, sont des mondes idéalisés, et tous les mondes parfaits idéalisés sont des mondes totalitaires. Donc, c'est une utopie, en ce sens que c'est, je reprends la forme des utopies, un voyage, un peuple étrange, des règles particulières, une découverte progressive. Donc, c'est bien dans le genre des utopies. Mais ce n'est pas une utopie au sens où les êtres humains ne sont pas changés et le système qui est présenté est un système très diversifié mais aussi très imparfait puisque les êtres humains sont imparfaits et c'est aussi un système dont je pense qu'il est immédiatement, pratiquement, concrètement utilisable. C'est-à-dire qu'il serait possible de mettre en place aujourd'hui une misarchie si les gens le voulaient, ce qui n'est pas tout à fait le cas hein, pour l'instant, mais si jamais les gens le voulaient, eh bien, je pense que ce serait tout à fait praticable. Ce qui explique aussi toutes les imperfections qui sont présentes. C'est-à-dire que, voilà, les gens n'ont pas changé, donc on a toujours je sais pas moi, des violeurs en série, donc on a toujours de la police, on a toujours des prisons, on a toujours de l'avidité qui guide les gens, on a toujours, bref, l'être humain tel qu'il existe. Donc du coup, le système est imparfait, mais il est quand même, du moins c'est ce que je pense, très substantiel. Potentiellement meilleur que le nôtre. Et ça suffit. Ça suffit. Quand on voit le programme des partis politiques qui ne proposent pas de changement radical, ou alors vers le pire, on s'aperçoit qu'il est devenu relativement rare de penser à une amélioration sensible de la société. On a des programmes qui font des améliorations relativement marginales. Et si vous voulez vraiment changer le monde, eh bien, je pense qu'il faut, il faut être plus ambitieux que ça. Or, la nécessité absolue de changer le monde est reconnue par tous, en fait. On est dans un univers productiviste, avec montée d'autoritarisme, qui ne change pas radicalement, va dans un gouffre. Donc tout le monde est d'accord justement sur l'idée d'un changement radical. Pardon, excuse-moi, je t'en prie. Oui, tout le monde est d'accord sur l'idée d'un changement radical. Et justement, quelles ont été tes guides de pensée Quelles ont été tes guides de pensée, justement, pour proposer cette misarchie? Alors, au niveau des valeurs politiques qui sont les miennes, je ne prétends à aucune originalité. Je suis quelqu'un qui apprécie la liberté et l'égalité, voilà. Alors la fraternité aussi, c'est sympa, mais je pense que la fraternité peut se déduire de l'égalité. Si on est tous égaux, une identité fait qu'on a une certaine fraternité. Mais, donc finalement, mes valeurs sont celles de la liberté et de l'égalité, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde. Tous ceux qui trouvent que la démocratie c'est bien, comme tous ceux qui... Alors une fois qu'on a ces valeurs, qui sont sans originalité, mais qui sont les miennes, on regarde la société actuelle et on s'aperçoit que l'égalité, pas terrible, et la liberté, on pourrait faire mieux. Et dès lors, l'idée, c'est d'inventer un système dans lequel il y ait beaucoup plus de liberté et beaucoup plus d'égalité. Et je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup mieux en plein de choses. Tout à l'heure, c'est ça ta question, Élise. Oui, c'est ça, exactement. Quelle valeur? Et pour faire simple, c'est d'où misarchie. Puisqu'en fait, la liberté et l'égalité, pour manier les deux en même temps, on a parfois une difficulté. C'est-à-dire que parfois, pour faire monter l'égalité, on attaque la liberté. Et pour faire monter la liberté, on a peur que ça détruise l'égalité. C'est vrai que ces valeurs s'opposent parfois. Mais elles ne s'opposent pas systématiquement. Elles ont un gros point commun. Et ce gros point commun, c'est une aversion commune pour le pouvoir.
Lorsqu'il y a beaucoup de pouvoir, eh bien, les personnes soumises sont moins libres. Et lorsqu'il y a beaucoup de pouvoir, eh bien, en termes d'égalité, ce n'est pas terrible, puisqu'il y en a un qui est puissant et l'autre qui est faible. Donc, ce n'est pas très, très égal non plus. Donc, en fait, le pouvoir est un antonyme, à la fois un contraire, à la fois de la liberté et de l'égalité. Et ce qui fait qu'un système qui se base sur la liberté et l'égalité ne peut être qu'un système d'aversion du pouvoir, un système qui essaye de diminuer le pouvoir autant que possible, d'où le nom misarchie qui n'aime pas le pouvoir. Et quand est-ce que tu sais qu'il y a du pouvoir, en fait? Alors, en fait, du pouvoir, au sens large, il y en a tout le temps, partout. Mmh. Le système juridique est aussi un système de pouvoir, naturellement. Et la misarchie, telle que je l'ai écrite, c'est un système juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles communes qu'on pourrait se donner. Et donc, les règles de droit, ce sont des phénomènes de pouvoir. Donc, attention, ce que je propose, c'est d'utiliser des moyens qui sont du pouvoir pour réduire un mal qui est du pouvoir. Donc, tout de suite, on comprend qu'on ne va pas supprimer le pouvoir. On va essayer de construire une balance. Et en fait, la règle de droit est ici un élément qui sert à balancer, à contrebalancer plutôt, les autres pouvoirs. Et donc, on ne peut l'utiliser qu'avec prudence. C'est-à-dire que sinon, c'est le pouvoir qui vient du droit qui va être tyrannique. Donc, il faut l'utiliser autant qu'on peut pour essayer de diminuer le pouvoir tel qu'il est destructeur. Et lorsque le moyen est pire que la fin, on arrête tout de suite, évidemment. Alors, ce que je veux dire, c'est que du pouvoir, il y en a tout le temps, mais du droit de limitation et d'encadrement du pouvoir, on ne peut pas en avoir tout le temps. Sinon, ce serait despotique, totalitaire même. Donc, du droit qui limite le pouvoir, on ne peut en avoir que lorsqu'on est en train de lutter contre un certain type de pouvoir. Un certain type de pouvoir, c'est-à-dire des pouvoirs qui sont d'une grande intensité et d'une grande durabilité. Pour prendre un exemple, au sein d'un couple, la question de savoir qui repasse les chemises est une question politique. C'est une question dont on sait qu'elle est politique depuis qu'il y a des mouvements féministes. Et si, par exemple, la femme repasse les chemises de l'homme, on a une inégalité sexiste, problématique. Est-ce que pour autant on va faire une règle de droit qui ordonne un partage du repassage équilibré au sein des couples, ce qui supposerait d'envoyer des policiers vérifier qui repasse quand et comment, et éventuellement de donner des amendes à la personne qui repasse pas ou qui... Est-ce qu'on va faire ça? Non, surtout pas! Ce serait atroce! Donc, ce serait une espèce d'invasion avec la police qui arrive. Alors, monsieur machin, cette chemise-là, hein? Allez, amende de... Non, alors, on est pour l'égalité, on est contre ce sexisme. C'est une question politique, mais ce n'est pas une question qui peut faire l'objet d'une régulation juridique directe. Et comme ça, il y en a plein, 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 plein. Donc, en fait, mon livre ne contient que des règles qui visent à encadrer, limiter, réduire des pouvoirs qui sont importants par leur champ d'application ou par leur intensité, mais vraiment importants et suffisamment durables. Et donc, pas les petits pouvoirs. Et donc, ceux-là, ils sont partout, partout. Dès que vous voulez aller au cinéma, évidemment, ça c'est très optimiste dans les circonstances où nous sommes, mais si un jour on sera déconfiné, vous voudrez aller au cinéma, vous voudriez y aller à plusieurs, il faudra choisir le film. Est-ce que vous croyez que ce choix se fera dans une relation de stricte égalité? C'est rare, hein? Il y a souvent le leader qui dit « Allez, viens, on va voir tel film », et l'autre qui dit « Ouais, d'accord ». Et donc, c'est du pouvoir, mais ce n'est pas ce type de pouvoir-là qu'on peut réguler, bien sûr. Tout à l'heure, tu disais que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Donc, quand tu as écrit « La misarchie », tu avais des hypothèses par rapport à cette nature humaine. Maintenant qu'on est dans ce confinement, est-ce que tu as pu confirmer certaines de ces hypothèses ou au contraire les infirmer? Est-ce que tu as pu confronter tes hypothèses en cette période-ci? Oh, l'être humain, il est observable autour de
sur des centaines d'années, des millénaires. Et il a pas tellement changé en plusieurs millénaires. Il est peut-être devenu un petit peu moins violent à la marge. À la marge. Mais c'est quand on lit les textes de l'Antiquité, ce qui frappe, c'est l'étonnante proximité de ces personnes et de nous. Et alors l'être humain, il évolue peut-être, mais pas des masses. Alors, de quoi il est capable l'être humain? Si on veut parler de confinement, alors il y a eu de grands mouvements de solidarité, c'était formidable. Il y a plein de sites d'entraide qui sont apparus. Il y a eu des mouvements, un dévouement de la part de soignants extraordinaires, une solidarité vis-à-vis des soignants, on leur a fait des tas de cadeaux, et on voit que l'entraide spontanée peut produire de grandes choses. Et d'ailleurs, les masques qui ont pu être construits ont été construits souvent sous forme spontanée. Les gens, ceux qui savent les faire, les envoient aux autres. Est-ce qu'il peut se passer beaucoup de choses spontanément très sympas? La réponse, c'est oui, il y a énormément d'énergie positive qui peut être libérée par les êtres humains. Bon. Et puis parallèlement, alors on a vu toutes les infamies habituelles, des soignants qui se sont fait casser la figure parce qu'ils voulaient simplement rentrer chez eux et qu'on pensait que ça risquait de contaminer tout l'immeuble, des mesquineries atroces, des dépulsions gouvernementales à la mise en place de systèmes despotiques, des règles absolument inutiles dans la lutte contre le Covid-19 qui ont été adoptées simplement parce qu'elles obéissaient à des idéologies complètement dépassées, des trucs moches, plein, des trucs chouettes. Ok, mais ça remet, en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, ça remet pas du tout en question ce que tu as écrit dans le livre, en fait, tes hypothèses sur la nature humaine et la façon dont les humains interagissent restent stables. Non. Alors, ce qui est important sur la nature humaine, c'est que on la connaît quand même mieux que ce qu'on connaissait au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on avait encore une vision mystique de l'être humain, une espèce de créateur assez libéré, individu assez peu réaliste. Et le XIXe siècle est la grande époque des idées politiques. Depuis le XIXe siècle, il ne s'est pas passé énormément de choses dans le champ de la pensée politique. Alors, certaines doctrines ont été invalidées par l'histoire du XXe siècle, mais les pensées innovatrices et ou des pensées qui visent un véritable meilleur, elles ont souvent été construites au XIXe. Et elles ont souvent été construites en XIXe avec la connaissance de l'être humain qu'on avait au XIXe siècle, à savoir une connaissance de l'être humain sans psychologie, sans connaissance de l'animal, sans connaissance de l'inconscient, sans rien, quoi. Une vision complètement inexacte, finalement, de l'être humain. Aujourd'hui, on sait d'abord sa fragilité rationnelle, c'est-à-dire qu'on a beau rationaliser, en fait, voilà, hein, la psychologie démontre qu'on est mu par un certain nombre d'autres choses et d'autres réflexes. On s'aperçoit que même la mémoire est bien peu rationnelle, elle est bien peu exacte. Enfin, bon, bref, on a énormément démythifié l'être humain. Et en plus, on a eu évidemment le XXe siècle, qui est un siècle marqué par des génocides, des massacres à une échelle inconnue jusqu'ici. Et donc, est-ce que l'être humain est capable du pire absolu, désormais on le sait, et aujourd'hui on voit que l'être humain est très capable de détruire la planète, très capable. Il est déjà capable de détruire les stocks d'insectes, il est capable. Donc est-ce qu'on peut en avoir peur? Oui. Est-ce qu'il est capable de choses fantastiques? Oui. Est-ce que ma valeur première et fondamentale reste l'individu humain? Oui aussi, hein. C'est-à-dire que la misarchie est un système humaniste. Lorsque je dis que mes valeurs sont l'égalité et la liberté, c'est parce qu'il y a un antécédent qui est celui de la valeur que j'accorde à l'individu humain, à la personne humaine en tant que telle. C'est parce qu'on accorde de la valeur à la personne humaine qu'il y a l'égalité comme valeur et qu'il y a la liberté comme valeur. Et c'est un point de départ qui se discute naturellement. On pourrait dire que la biosphère est plus importante, mais c'est pas du tout mon avis. Si on commence à dire que la biosphère est ce qui est la première chose importante, eh bien, on risque de commencer à massacrer les êtres humains pour préserver la biosphère. Et
pas du tout mes opinions politiques. Donc mes opinions, c'est un humanisme, donc une pensée écologique, mais une pensée écologique parce que l'être humain a besoin d'un univers protégé et d'un univers dans lequel il soit bien. Ok. J'ai encore deux questions, je vais dire. La première, elle porte sur l'entreprise misarchiste. Parce que en misarchie, tu as des associations de travailleurs, soit égalitaires, ce serait l'équivalent des coopératives avec un travailleur, une voix, soit des associations de travailleurs avec des golden shares. Puis je donne aussi quelques autres éléments. Le temps plein, il est à 16 heures par semaine. Les heures sup sont taxées à 75%. Les dirigeants sont élus ou en partie tirés au sort, je ne suis plus très sûre. Et puis pareil pour les représentants syndicaux. Et puis tu as mis une formule d'écart maximum de revenus dans l'entreprise. Alors je vous la donne juste pour information, après tu la commenteras comme tu veux. C'est 15 fois X plus 5, X étant le nombre de salariés, le tout divisé par X plus 50. Donc imaginons que je sois entrepreneur, d'accord? J'ai investi mes économies, ma volonté, mon argent, mon temps pendant 2 ans. Donc je prends des risques pour créer ma structure. J'embauche. Pas forcément envie de faire du 50-50 tout de suite. Est-ce que je risquerais de me sentir Exactement. Posé. Comment Exactement. Ça se passe en misarchie? Eh bien, justement, donc on a dans cet exemple-là, on est l'entrepreneur qui se lance, qui met ses économies, qui monte sa boutique, qui travaille pendant 2 ans, il ne se paye pas, au bout de 2 ans, ça commence à marcher un peu, espérons, au bout de 3 ans, il viendrait le moment où il embauche la première personne. À ce moment-là, si on doit tout partager par moitié, c'est du vol. Celui qui vient d'arriver n'a rien fait, n'a droit à rien. Non seulement c'est du vol, mais la personne qui a tout misé et qui a travaillé comme ça pendant des années, elle n'embauchera jamais si on lui demande de donner la moitié de ce qu'elle a construit. Donc ce serait inefficace, parce qu'aucune entreprise pourrait grossir, et totalement injuste. Maintenant, reprenons les deux mêmes, l'entrepreneur et son premier salarié. Lorsqu'il vient d'être embauché, il est normal que au moment de l'embauche, il est normal que l'entrepreneur soit donc dominant. C'est son entreprise. Il est dominant, donc j'ai toujours un salarié au sens traditionnel. Je n'ai donc pas détruit le capitalisme à ce stade-là. Maintenant, je reprends les deux mêmes. Je reprends les deux mêmes et je les reprends 20 ans plus tard. Donc, on n'a qu'à imaginer que c'était, je ne sais pas moi, un bistrot. Au début, il monte son bistrot tout seul, après il embauche quelqu'un. Et puis, finalement, à deux, ça tourne. 20 ans plus tard, ils sont toujours deux. Alors, dans le système actuel, on a toujours le patron et le salarié. Il me semble que 20 ans plus tard, c'est tout aussi injuste que ça l'aurait été de tout partager par moitié au début. Il me semble que 20 ans plus tard, en réalité, l'entreprise est l'entreprise des deux. Et en réalité, à ce moment-là, elle devrait être partagée, cette entreprise. Alors, on a un point d'arrivée qui est l'égalité. Donc, je pense que les entreprises doivent toutes tendre vers l'autogestion. Et on a un point de départ qui n'est pas l'autogestion, qui est inégalitaire et qui dépend finalement à la fois de ce que les gens ont mis comme énergie, comme créativité et aussi comme argent au départ. Et donc, j'ai un point de départ, j'ai un point d'arrivée et j'ai une distance temporelle entre les deux. Il suffit de tracer une courbe et d'essayer d'imaginer comment progressivement toutes les entreprises vont pouvoir passer à l'autogestion, à quelle vitesse? Eh bien, à une vitesse qui soit variable selon le nombre de salariés, et puis à une vitesse qui corresponde à une certaine justice, puisqu'il convient que l'entrepreneur créateur soit rémunéré justement de ses efforts, de sa créativité, de sa construction d'entreprise. Et donc, il va falloir qu'il soit remboursé de l'argent qu'il a mis, rémunéré éventuellement si ses bonnes idées ont été créatrices de profit. Et donc, à la fin, il convient qu'il ne se fasse pas rouler. Et donc, ça suppose que les salariés, progressivement, rachètent ces parts préférentielles qui sont accordées à l'entrepreneur au départ. Les parts préférentielles, je les ai appelées golden share, on peut les appeler comme on veut. Ces parts préférentielles, elles sont données au départ au nom de la justice qu'il y a à donner des parts préférentielles à la personne qui a construit l'entreprise, mis ses biens, etc.
et ces parts préférentielles sont progressivement réduites et rachetées par les salariés, ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, selon des courbes à coefficient variable d'ailleurs, toutes les entreprises tendent vers l'autogestion. Voilà, je pense que c'est une façon de fonctionner. Et je pense aussi que ce qui est important, c'est bon, je pense qu'il faut supprimer le capitalisme tel qu'on le connaît. Et je pense que j'y suis arrivé par ce biais-là sans détruire la liberté d'entreprendre, qui est pour moi aussi quelque chose d'absolument essentiel. Donc j'ai la liberté d'entreprendre, je pense que j'ai aussi détruit le capitalisme de la manière suivante. Ce qui est prohibé en misarchie, c'est la distribution des dividendes. La distribution des dividendes, c'est la transformation du profit en distribution qui est donnée proportionnellement au capital détenu. Donc le capitaliste rémunère son capital avec des dividendes. C'est ça le capitalisme. Une fois qu'on a interdit le dividende, qu'est-ce qu'on peut faire avec les bénéfices? Eh bien, on peut toujours augmenter les salaires, on peut toujours les mettre en réserve, on peut toujours les dépenser, mais on ne peut pas les distribuer et encore moins les distribuer en proportion de la détention d'un capital. Et deuxième différence qu'il y a par rapport au capitalisme traditionnel, dans tous les cas, le pouvoir est accordé aux travailleurs dans ces entreprises-là, enfin, dans tous les cas, sauf monopole, etc., sauf place des consommateurs, mais en tout cas, aucun pouvoir n'est accordé aux détenteurs de capital en tant que tel. L'entrepreneur a une part préférentielle, mais il a une part préférentielle en sa qualité de travailleur, puisqu'il a travaillé pour monter son entreprise. Et il a aussi une créance sur l'entreprise, puisqu'il a mis de l'argent, et cet argent-là, on le lui doit. Et éventuellement, on lui doit même une rémunération qui va même plus que celle d'un taux d'intérêt. Donc, il a une créance sur l'entreprise, mais son pouvoir est avant tout indexé sur son travail. Donc, seuls les travailleurs votent, pas de manière égalitaire au début. L'entrepreneur est un travailleur qui vote beaucoup plus, mais c'est quand même un travailleur. Et donc, quelqu'un qui n'aurait mis que du capital dans une entreprise ne votera jamais. Et alors ça suppose, et c'est ça que je vous rappelle que tout doit être lié, ça suppose une refonte très profonde du système bancaire. Parce qu'il convient que le système bancaire soit suffisamment efficient pour qu'on puisse financer les entreprises sans donner de pouvoir aux financeurs. Et donc, que ça fonctionne avec des prêts bancaires, même, ou des emprunts. Donc, quand vous empruntez de l'argent, vous ne donnez pas de pouvoir à la personne à qui vous avez emprunté de l'argent. Donc il s'agit de faire pareil, il s'agit de faire en sorte que le travail loue le capital et jamais que le capital loue le travail. Parce que lorsque le capital loue le travail, il se fait payer trop cher. Et en plus, comme la propriété a tendance à aller à la propriété, ça produit des accumulations qui sont monstrueuses et qui sont les accumulations que nous connaissons dans la société actuelle. J'ai ma dernière question, comme ça après je vais pouvoir laisser la place aux autres questions. C'est justement comme tu dis que c'est un système complet. Il y a plein de choses qui se tiennent. Vu d'où on part, ce serait quoi pour toi la première étape, le premier pas? Alors, le premier pas, il a déjà commencé en réalité. J'ai entendu parler là du village écolo. En réalité, des alternatives à la société que nous connaissons, il en existe. On regarde un peu partout, c'est incroyable le nombre de constructions qui préfigurent d'un monde désirable différent du nôtre. Et je pense que c'est là que se construit la société qui nous plaît. Alors, est-ce que cette société existe déjà? Je pense qu'elle existe déjà, que c'est la somme de toutes ces alternatives pratiquées, d'ores et déjà pratiquées, paie une société qui nous plaît. Alors, par où commencer? Je pense qu'on peut commencer par là, par construire réellement des univers qui correspondent à nos désirs. Alors, ça sera toujours limité parce que, évidemment, il y a une concurrence qui s'installe avec le système traditionnel, étatico-capitaliste, autoritaire, qui pue, enfin voilà. Donc, ce qui ne nous plaît pas, le productivisme forcené, etc., demeure.
Et il existe un conflit entre ces alternatives et ce monde-là entre lesquels il faut bien faire un compromis. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous construisez une alternative sympathique que par ailleurs vous ne devez pas payer les impôts qui financent des trucs atroces par ailleurs. Donc, et tant qu'on paye toutes ces cotisations impôts qui sont dépensées d'une certaine façon, on ne peut pas avoir une deuxième couche d'imposition pour payer de la solidarité qui correspondrait à des modèles qui nous plaisent plus. Ça commencerait à être un peu cher, quoi. Voilà. Donc, y a bien une limite à cette multiplication des alternatives. Mais je pense que lorsqu'elle sera suffisamment développée, si jamais les choses vont bien, et que les alternatives seront suffisamment nombreuses, et qu'elles se seront reconnues les unes les autres comme la préfiguration d'un monde sensiblement différent du nôtre, à ce moment-là, donc une fois que ces alternatives se seront suffisamment constituées et suffisamment reconnues, et qu'elles seront suffisamment nombreuses, à ce moment-là, une bascule deviendra envisageable. Une bascule depuis ces alternatives-là qui forment un monde, qui viendront en quelque sorte prendre la place du monde actuel. Et à ce moment-là, ce seraient plutôt les autres qui deviendraient des marginaux, qui devraient essayer de constituer leurs petites alternatives. Tout en étant obligé de suivre la normativité commune correspondant à la société qu'on désire. Merci beaucoup. Parce que Merci ce que je beaucoup, pense. Emmanuel. Enfin, bon, pour moi, c'est très clair. Mais il y a, Merci y a, y beaucoup. a, y a, pardon, y a, y a une image que j'aime bien, c'est le calque. Je ne sais pas si je t'en avais parlé, Louise. Peut-être, vas-y. On prend le monde tel qu'il existe. Et puis, une carte du monde, on pose sur cette carte une feuille de calque à l'ancienne. Hein, et là-dessus, on met tous les territoires qui appartiennent déjà au monde différent, au monde que nous souhaitons. Et en fait, ces territoires existent, on met des petites taches un peu partout. Et je pense que lorsque ces petites taches deviendront à un endroit suffisamment nombreuses pour être pas majoritaires, mais à ce moment-là, on peut réfléchir à la bascule et à ce moment-là, on prend le sol et on envoie les autres sur le calque. Voilà. Et je crois pas qu'on puisse faire un changement radical si le calque n'a pas été suffisamment rempli, simplement en se présentant des élections politiques. Ça, je pense que ça marche. Je pense que se présenter des élections politiques peut fonctionner pour faire le moment de bascule, mais que ce n'est pas simplement en votant qu'on va changer le monde. Ça ne marchera jamais. Et après, je pourrais détailler pourquoi, Faire les mais deux. je pense que très techniquement, ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas par ailleurs. On est des citoyens, on peut très bien participer à adhérer à tel et tel mouvement, voter. Moi, par exemple, je vote, comme beaucoup de gens, voilà. Mais est-ce qu'en votant, j'ai l'impression que je vais aller dans un sens du changement de société qui irait dans le sens de mes désirs? Là, non, ça fait très longtemps que j'ai perdu cette illusion. Je peux voter pour empêcher certaines atrocités de survenir trop vite, mais c'est tout. Mais en même temps, si on veut changer les lois, il faut quand même voter. Tout à fait. Donc, mais je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas voter. Je vote, je vote, je vote, je vote. Mais je ne crois Il n'y a pas pas que ça. qu'une élection suffira à changer le monde, Bien à changer sûr. le truc. Bien Voilà. sûr. Mais je pense qu'elle est utile aussi. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas. C'est pas l'un Je ou pense l'autre, pas que. c'est l'un et l'autre. Non, Ouais. c'est obligatoire. On peut tout mettre. Si on veut changer le monde, il va falloir tout mettre. Et Ça sûrement marche. pas un seul truc à la fois. Yael, ça va être le temps de poser toutes les questions du chat. Je vois qu'il y a genre Alors, j'ai noté 23 les questions. commentaires là. Ouais. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'ai noté les questions et je les ai triées. Ouais. Merci beaucoup, Yael. Mais j'ai pas envie d'être celle qui prend la responsabilité d'éluder certaines questions. Donc, j'espère qu'on aura le temps de Il passer toutes y a les encore questions. du Il va chemin, sinon. le pouvoir. Non, je ne veux pas ce pouvoir. Donc, du coup, je les ai triés et puis on va essayer de passer sur toutes les questions. Donc, commence par quelqu'un qui a posé une question sur l'introduction de ton livre, Emmanuel, mais je n'ai pas compris la question. Donc, la personne qui l'a écrit devra l'expliquer.
Pourquoi le début du roman commence par quelque chose de choquant avant l'ancienne et les jeunes enfants? Le but est-il de déstabiliser nos croyances en s'y prenant sur une ancrée chez l'humain? Donc voilà, je suis désolée, je ne Oui, comprends très pas bien, ce que j'ai ça veut compris, dire. moi. Ah, J'ai d'accord, compris ok. la question. Très bien. Alors, ça a une raison narrative et une raison politique. La raison narrative, c'est que j'ai un personnage qui arrive du monde d'ici, qui arrive là-bas. Il arrive du monde d'ici avec tous les préjugés les plus traditionnels de ce monde. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un petit révolutionnaire. Ce garçon-là, il a voté Macron, très, très clairement. C'est ce genre de personne. Il n'est pas trop si. Il est xénophobe, mais il dira toujours qu'il n'est pas raciste. Il est sexiste, mais il dira qu'il est pour l'égalité de l'homme et de la femme. Ce genre de personne banale. Et donc, quand il arrive là-bas, la première chose qu'il doit ressentir, c'est qu'il doit être choqué. Et le début du livre est un peu. Et donc, il est choqué. Ça présente surtout un intérêt politique. Si je commence par ça, c'est pas du tout par inadvertance. C'est pour une raison importante. C'est que je voulais commencer par parler du respect d'autrui et de la tolérance vis-à-vis de ce qui ne nous est pas familier. Je pense que la première menace qui nous guette, c'est celle des xénophobies, des hormisations du monde. Et c'est la chose la plus atroce et elle arrive à toute vitesse. Et donc mon avis, c'est qu'une société qui me plairait est une société très diversifiée, parce que s'il n'y a pas de diversité, on n'a pas non plus de liberté. Tout est pareil, vous ne pouvez rien choisir. Hein. Donc il faut une société très diversifiée et qui soit donc aussi très respectueuse, très tolérante vis-à-vis d'autrui. Et alors, si vous voulez parler du respect et de la tolérance, il vous faut parler de quelque chose qui vous choque. Parce que si vous parlez, par exemple, de tremper du fromage qui pue dans du café à la mode du nord de la France, et que vous dites je tolère volontiers cette pratique, en réalité tout le monde s'en fout, chacun mange bien ce qu'il veut, c'est facile et ça choque personne vraiment. Il mange du fromage comme ça, moi j'en mange pas, lui il en mange, mais tout le monde s'en fout. Quand vous voulez parler de tolérance, sérieusement, vous devez parler de quelque chose qui ne vous déplaît vraiment. Et donc, les premiers passages du livre comprennent des univers dans lesquels le personnage est plongé, et ce sont des univers qui choquent un peu. Voilà, c'est pas plaisant, c'est pas particulièrement plaisant. Et à ce moment-là, le personnage n'est pas très content, très choqué, et on va commencer par lui expliquer la règle numéro 1. Et la règle numéro 1, c'est le respect et la tolérance d'autrui. À partir du moment où certaines règles sont respectées, évidemment, comme le refus de la tyrannie, évidemment, et du despotisme. Donc à partir du moment où ce sont des adultes consentants, adultes au sens large, à partir du moment où ce sont des adultes consentants, c'est la personne qui intervient qui est suspecte. Et donc lui, il intervient tout le temps parce qu'il est choqué de tout. Et donc c'est lui qui va se retrouver très vite mis en accusation. Alors même qu'il a l'impression d'agir de la façon la plus éthique qui soit. Ok, merci. Donc comme Alors, tu je parlais. vois le chat Ah, qui pardon, passe, je vas-y. suis désolé, j'arrive pas à tout attraper en même temps. Hein. Non, mais t'en fais En fait, pas, j'ai noté toutes les questions, c'était mon boulot, donc t'en fais pas. Oui, c'est bien, mais il y a Merci. plein de réactions. En fait, Ah, il n'y a il y pas aurait de plein de réaction. Ah, discussions. par contre, Il y a j'ai plein de pas compris. discussions qui se déclenchent en même temps, et ça serait super intéressant si j'arrivais à tout lire et à tout répondre en même temps, mais ça va être Ah, bah chaud, oui. chaud, chaud. Tu comprends mieux pourquoi je disais au début, j'espère qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, Bon, je. comme tu parlais de tolérance, je vais passer à toutes les questions qui sont sur le système culturel et d'éducation, si ça te convient. Je pense que la tolérance est liée un petit peu à la culture et l'éducation. Donc, j'en ai plusieurs. Est-ce que je te les donne toutes ou je les veux les unes après D'accord, les autres? Je ne sais d'accord. pas. Donne-moi un Je te les paquet, donne parce que toutes? si on veut tout faire en même temps, si on veut tout faire dans Ok, les délais, je te les donne toutes il faut. alors.
Donc, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce qu'une inspiration a été trouvée en observant d'autres cultures? Donc, est-ce que tu as été inspiré par d'autres cultures ou l'observation d'autres cultures lorsque tu as écrit ton livre? Quelqu'un demande, quelle est la place de l'éducation en misarchie et sous quelle forme elle est décrite? Et comment sensibiliser les plus jeunes à la misarchie? Ensuite, quelqu'un pose une question sur quel est le rapport à la culture, au patrimoine ou au matrimoine des personnages dans cette misarchie. Et enfin, donc je l'ai mis là, même si ça n'a pas de rapport direct, mais quelqu'un se demande, quelqu'un parle de l'autogestion et dit que naturellement dans notre culture, il y a toujours l'émergence d'un leader naturellement. Donc comment passer, enfin, comment travailler avec cette culture et comment se matérialise l'autogestion malgré le fait qu'il y ait des gens qui soient plutôt leaders ou plutôt suiveurs. Voilà. Super, merci beaucoup pour toutes ces questions. Est-ce qu'il y a des inspirations qui sont liées à d'autres cultures dans la limite de mes... Comment dire, j'ai écrit ce que je pensais. Je suis principalement issu d'une culture, il ne faut pas se la raconter. J'ai évidemment été en contact, comme beaucoup de gens un tout petit peu ouverts, avec d'autres cultures. Mais le point de départ de ce qui est le contenu de ce livre, c'est de pouvoir dire très précisément ce que je pense, ce que je pense. Et donc c'est dans la mesure où j'ai été influencé par une multitude de cultures, seulement dans cette mesure-là. Que j'ai cette influence-là. Mais cette influence a été limitée puisque moi, je n'ai pas bénéficié de ces rotations dont je parle dans le livre. Et en pratique, j'ai quand même vécu les... Alors, j'ai voyagé, j'ai beaucoup joué à un jeu chinois que j'ai eu beaucoup de relations avec certaines parties d'Asie aussi. Enfin bon, j'ai des amis qui... Blablabla. Mais à la fin, je suis quand même principalement issu d'un certain univers culturel et probablement, ça se ressent dans le livre, ceci dit, ça se transpose assez bien, comme la liberté et l'égalité sont des valeurs qui sont assez universelles. J'ai pu discuter de misarchie dans des univers assez différents, et en réalité, les problématiques sont... alors, il y a des nuances dont on pourra parler, notamment sur l'État, dans les sociétés qui ont été longtemps sans aucun État et qui ont du mal à comprendre que je veuille détruire ce que eux s'efforcent de construire. Par exemple, l'Afrique du Sud essaie de construire un État, après avoir été dans une situation de bantoustan totalement explosée. Et quand j'explique comment il faut exploser l'État, alors là, ils me disent, non, Manu, tu déconnes, c'est pas le moment, nous, au contraire, on essaie de construire un État. Et en fait, je peux répondre à ça, et je peux en discuter. En fait, je détruis l'État, mais c'est parce que j'ai d'abord le système juridique pas détruit. C'est seulement parce qu'on a un système juridique efficient qu'on peut se permettre de diviser ce qu'on appelle l'État, et donc c'est plus vraiment un État en ce sens où il n'y a plus vraiment de souveraineté. Bon, bref, inspiration d'autres cultures. Éducation, oui, j'en parle beaucoup de l'éducation, je pense que c'est très très important. Donc il y a cette histoire de rotation infantile, je vous rassure, on n'arrache pas les enfants de leurs parents, hein. Je trouve qu'il y a des liens d'affection qui existent entre les parents et les enfants qui sont assez précieux. Je pense que c'est pas mal, on peut les garder. Mais à titre minoritaire, ça ne veut pas dire que les enfants doivent tout le temps rester avec leurs parents. Et s'ils peuvent de temps en temps aller passer un peu de temps ailleurs, je pense que c'est vraiment une question de décence, quoi, puisque sinon, notre ignorance des autres mondes est tellement grande. Et la plupart des gens ont vécu principalement, exclusivement, même dans un seul milieu. Et du coup, ils finissent par fantasmer des tas de trucs complètement débiles sur les autres, alors que l'être humain se ressemble terriblement d'une culture à l'autre, d'un endroit à l'autre. En fait, c'est même un peu désespérant, cette extraordinaire similitude des êtres humains, quelles que soient les cultures. Et je crois qu'il faut le faire découvrir en envoyant les gens dans des cultures différentes et donc dans ces rotations. Il y a aussi quelque chose sur l'éducation. Je suis pour l'éducation très tard et éventuellement... Et surtout en même temps que l'autonomie financière et donc en même temps que l'emploi, ce qui nous rappellera les 16 heures dont je parlais, enfin, en passant. Mais et je pense qu'actuellement, elle est organisée par année. Vous êtes en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième, blablabla. Vous êtes en première année de fac, deuxième année de fac.
C'est organisé par année, les années sont indexées à l'âge. C'est atrocement réducteur. Je pense qu'il faut arrêter de faire ce truc par année, quoi. Si des gens sont intéressés, passionnés par un truc, je veux qu'ils puissent faire 4 années en une et je veux que les gens avancent à des rythmes différents et que les niveaux ne soient pas indexés de façon normée et fausse par rapport à l'âge. Sensibiliser les jeunes à la mise archi, je ne sais pas trop comment faire, mais ça on verra bien. Mais c'est passé par certains canaux inaperçus. Je me suis retrouvé en collège à discuter de mise archi. J'ai été invité par des profs à parler de mise archi. Il m'a étonné d'ailleurs parce que le début du bouquin n'est pas forcément tout public en ce qui concerne l'âge. Ça ne m'a pas empêché d'être même discuté dans des classes de philo en terminale, d'avoir été invité dans des collèges. Et on s'aperçoit qu'en réalité, les problématiques qui sont celles qu'on a aux différents âges sont exactement les mêmes. Je ne crois pas tellement à la hiérarchisation selon l'âge, moi. Enfin, voilà. Je crois qu'on a le même type de discussion fondamentalement avec des collégiens ou des adultes et que ça change pas grand-chose. La culture et le patrimoine, c'est une question énorme. Je pense que on peut l'indexer un tout petit peu aussi avec la réduction drastique du temps de travail, dont on parlera peut-être plus tard. À partir du moment où vous avez un principe de 16 heures de travail par semaine, même si on peut faire des heures supplémentaires, et qu'en pratique, donc les gens travaillent moins de temps en mise archi, automatiquement, ils ont plus de temps pour la culture. Automatiquement. À la fois pour en fabriquer et pour en bénéficier. Ils ont plus de temps pour se former, ils ont plus de temps pour se cultiver. Et je suis convaincu que rien que comme ça, on arrive à des améliorations assez profondes sur les communs. Je veux dire, il n'y a pas seulement 20 districts communs, hein, il y a une myriade de districts de toutes sortes, de toutes tailles, de tout. Il y a juste une vingtaine de gros trucs qui s'appliquent sur tout le territoire de la mise archi. Par exemple, il y a une monnaie commune, c'est pratique. Par exemple, il y a une grande cour de justice, il y a, je suis favorable, il y a sur l'impôt, voilà, il y a un grand collecteur. Après, il peut y avoir des petits impôts, hein, mais il y a un grand collecteur qui va redistribuer parce que je suis pour l'éducation gratuite, donc je suis aussi pour l'impôt, je suis pour, il y a une sécurité sociale. Attention, il y a des trucs qui me plaisent ici, hein, dans la société, et tout ce qui me plaît de la société actuelle, j'entends bien essayer de le conserver. Vous voyez, je suis pas du tout. Il s'agit de changer tout ce qui me déplaît et de conserver tout ce qui me plaît. Voilà. Et je crois que j'ai répondu un peu aux différentes questions, sauf l'autogestion. Autogestion, leader. Bien sûr, il y a des leaders naturels. C'est même pas une question de culture. Franchement, dans toutes les cultures, vous verrez apparaître des formes de leadership. Toute la question, c'est de savoir ce qu'on en fait. Souvent, les personnes qui ont ce rôle de leader, non, on leur donne de plus en plus de pouvoir et ça risque de devenir une oppression. Il y a des leaders, je ne pense pas que ce soit un problème. Ce qui est un problème, c'est lorsqu'on accorde tout le pouvoir juridique aux leaders. Ça, c'est même fasciste à la limite. Donc, qui est des leaders, c'est absolument pas des phénomènes de leadership, c'est vraiment pas une difficulté, à la condition d'avoir un système juridique qui vise à les encadrer suffisamment bien pour que ça ne se transforme pas en oppression. Par exemple, dans l'autogestion, quand vous avez une entreprise autogérée, vous croyez qu'il n'y a pas de leader dans l'entreprise autogérée? Bien sûr que si, il y en a. C'est pas parce que vous avez élu le dirigeant de la coopérative que ce dirigeant n'est plus un. Hein. Au contraire, les dirigeants de coopératives sont en général ont plus d'ancienneté que les dirigeants des sociétés commerciales. Parce que les gens élisent justement des personnes qui sont vraiment leaders et donc du coup, ils restent en place. Non, non, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il convient absolument d'avoir des balances de pouvoir. Pas d'avoir un vote
en faveur du leader. On voit bien ce que ça donne au niveau de la démocratie, au niveau de la démocratie actuelle. Vous votez pour Macron, si vous croyez que ça suffit, vous êtes bien aperçu que ça ne suffit pas. Donc, c'est pareil au niveau des entreprises. Vous allez peut-être élire un dirigeant, mais attention, vous allez aussi tirer au sort des gens qui vont, par exemple, avoir une ont décidé d'une répartition d'une partie de la masse salariale. Vous allez peut-être, vous aurez aussi des représentants syndicaux qui auront un rôle pour contrebalancer ce pouvoir. Vous aurez, et après ça dépend de la taille de l'entreprise, mais à chaque fois que vous avez une organisation de pouvoir, il convient de penser au contre-pouvoir, aux balances, afin que les pouvoirs qui naturellement sont à tendance despotique, c'est-à-dire tous les pouvoirs ont tendance à abuser de leur force, eh bien, tous les pouvoirs doivent rencontrer des obstacles, rencontrer des contre-pouvoirs, rencontrer des points différents. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'ai vu passer une question sur le tirage au sort, c'est pour ça qu'il faut balancer les choses. C'est-à-dire que l'élection, c'est un mode de désignation du puissant. Le tirage au sort, c'est un mode de désignation du puissant. Vous en avez d'autres. Vous pouvez dire, par exemple, que le leader va recevoir un grand chapeau à plumes. Et qu'avec ce grand chapeau à plumes, il recevra beaucoup d'honneurs, et qu'en échange de tous ces honneurs et de ce magnifique chapeau à plumes, on lui interdira de participer aux délibérations décisionnelles. Il pourra parler, il est suffisamment influent comme ça, tout le monde le respecte, c'est un grand leader. Donc il parle, mais au moment de la délibération, il se tait, il s'en. Il est assez fort comme ça. Et donc on peut inventer de ça. Donc ça, c'est un truc qui est présent en hiérarchie, que j'ai transposé. Mais on peut inventer des tas de systèmes. L'important, c'est de toujours essayer de minimiser justement le pouvoir et jamais de le détruire parce qu'il s'agit aussi de respecter le dynamisme de leader. Si je peux me permettre, Super, merci. Ah, pardon. Vas-y, je t'en prie. comment tu définis l'autogestion? C'est quoi ta définition de l'autogestion? Oh, l'autogestion, non, je la définis de la façon, comment dire. Après, il existe plusieurs. Aujourd'hui, si on voit les SCOP, pour passant, et si on voit les coopératives, on s'aperçoit qu'il existe énormément de nuances dans l'organisation et dans l'organisation du pouvoir. Mais l'autogestion, au sens le plus simple, c'est une copie. Du système démocratique dans une entreprise, du système démocratique minimal, c'est-à-dire du système démocratique un homme, une voix. Un être humain, une voix. Un travailleur, une voix. Une égalité au moment du scrutin. Cette égalité-là, que je ne prône pas systématiquement, hein, vous l'avez compris, me semble ce qu'on appelle habituellement autogestion. Alors, ça limite terriblement parce qu'il y a beaucoup de coopératives qui néanmoins laissent des droits de vote à des personnes qui, par exemple, apportent des subventions ou des droits de vote à des personnes qui sont des usagers ou à des. Bon. Donc, je dirais que ce mode d'organisation, un travailleur, une voix, est un mode possible, mais qu'il en existe pas mal d'autres, et en hiérarchie, il n'existe pas seulement ça. En revanche, quand on a une entreprise qui n'exerce pas trop de pouvoir, hein, sur les clients ou ces choses comme ça, mais une entreprise qui est donc dans un univers concurrentiel suffisant pour ne pas exercer de pouvoir trop fort sur l'extérieur, cette entreprise-là doit tendre vers l'autogestion. C'est-à-dire qu'à la fin, en tendance, tous les êtres humains qui travaillent dans cette entreprise doivent être considérés comme égaux au moment du vote. Merci. C'est parfait, Il tu fais n'interdit ma pas de transition. Car j'ai noté des questions qui concernent les valeurs dont tu as parlé tout à l'heure, l'égalité et la liberté. Donc, quelqu'un demandait quelle était pour toi la définition de l'égalité. Une autre question était, peut-on résumer la misarchie comme la recherche de l'avènement des micro ou le retour des micro-sociétés sans classe? Et donc, il y avait la question du tirage au sort à laquelle tu as déjà répondu. Et concernant la liberté, je le donne tout d'un coup. Est-ce que le droit limite le pouvoir de la constitution pardon. Est-ce que le droit qui limite le pouvoir, c'est la Constitution? Et quelqu'un a rebondi
sur des remarques sur le confinement. Donc en particulier, le confinement donne à voir des choses intéressantes sur la fonction de la pauvreté pour maintenir le pouvoir. Ce n'est pas une question, mais en tout cas, il mettait un focus sur ce point-là. Est-ce que la pauvreté permet de maintenir le pouvoir? Non. Non, ce n'était pas ça. Pardon. Bah, je note les questions, mais je n'ai pas forcément une bonne interprétation. Non, c'est pas ça. Quelqu'un a dit non. Il peut y avoir une correction hein, sur. Ah oui, de la allez-y, hein, moi j'ai juste noté. Hein. Je commence par les autres questions. Et sur le chat, après, si quelqu'un veut corriger la question, il corrige. Exactement. Et comme ça sera plus précis. Ça marche. Merci. Alors, l'égalité dont je parle, c'est l'égalité des êtres humains. Dont je dis qu'ils sont égaux en valeur. Un être humain égale en valeur, un autre être humain. Il s'agit à aucun moment de parler d'identité. Les êtres humains sont divers. Ils ont des capacités diverses. D'ailleurs, ils ne sont pas non plus réellement égaux en capacité. J'y crois pas. C'est pas vrai. Il y en a qui courent plus vite que les autres. Il y en a qui réfléchissent plus vite que les autres. En réalité, ils sont très diversifiés, nos êtres humains. Peu importe. Je suis humaniste. Et donc, en valeur, ils sont égaux. Et si en valeur, ils sont égaux, il convient de maintenir cette égalité en valeur. Et le problème, c'est que lorsqu'on crée des différenciations trop fortes et trop durables entre les êtres humains, elles finissent par se transformer de manière insidieuse en inégalité en valeur. Et ça, c'est épouvantable. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des riches qui sont riches longtemps et qui, même à la limite, transmettent leur richesse à leurs enfants, et donc ça fait des groupes sociaux qui sont riches comme ça sur une très grande durabilité, et bien très vite ils se transforment en aristocratie, c'est-à-dire qu'ils finissent par se considérer comme d'une essence supérieure. Bon, ils finissent par croire qu'ils ont de sang bleu, ils finissent par devenir des aristocrates. Lorsque vous avez en sens inverse des gens qui sont dans une situation de fragilité ou de faiblesse, et bien il y aura une espèce de tendance à la dévalorisation de ces personnes. Et si vous regardez plus profondément la source des racismes, vous vous apercevrez que très souvent, les racismes sont liés à ces inégalités durables. Typiquement, au moment des colonisations, vous aviez des plus forts et des plus faibles, et les plus forts ont été considérés, se sont considérés comme étant d'une essence supérieure. Même quand il n'y avait pas tellement de différences physiques, d'ailleurs. Et donc, ils sont devenus racistes vis-à-vis des indigènes. Et donc, si on veut avoir une société qui respecte l'égale valeur des personnes, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inégalités du reste. C'est-à-dire pas trop d'inégalités de fortune. Ou alors, et que ces inégalités soient pas trop durables. Mais c'est second. C'est-à-dire, par exemple, je suis pas du tout de ceux qui pensent qu'il faut que tout le monde ait le même revenu. Mais je dis attention mollo sur les différences de revenus, il faut rester calme, pas de trop pauvre, parce que c'est indécent par rapport à l'égale valeur des êtres humains. Et puis au-delà d'une certaine fortune, très clairement c'est du vol et il y a quelque chose à faire pour empêcher ce vol-là. Il faut, c'est, voilà, l'égalité. Après, je ne sais pas si je réponds suffisamment aux questions, mais micro-société sans classe, d'abord pas micro-société. Je pense qu'il convient d'autoriser les micro-sociétés. C'est ça les COTEX. Les COTEX sont des communautés territoriales exclusives en hiérarchie. C'est-à-dire que ce sont des gens qui s'organisent avec à la fois un lieu, une vie familiale dans ce lieu et aussi une vie professionnelle dans ce lieu. Ils mettent toutes leurs billes dans le même panier. Je trouve ça atrocement dangereux. Parce que ils ont tout en commun et ça peut être très oppressif puisque dans toute leur affection au même endroit et toute leur activité au même endroit, c'est dangereux. Je préfère la multi-appartenance. Je trouve que c'est plus libérateur. Vous avez des relations familiales qui ne sont pas les mêmes que les relations professionnelles, qui ne sont pas les mêmes que les relations amicales. Vous appartenez au club de boulis, vous appartenez à la religion machin chouette. Et c'est pas le club de boulis de la religion machin chouette, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une multi-appartenance.
Et ça permet d'avoir beaucoup de liberté, parce que si jamais vous vous engueulez avec un de vos groupes, eh ben c'est bon, il y a tous les autres groupes auxquels vous appartenez, vous n'êtes pas à la rue, quoi. Alors que quand vous avez mis toutes vos billes dans le même panier, si vous engueulez avec ce groupe-là, vous perdez tout. Et donc vous êtes dans une situation de fragilité très grande. Et donc les groupes qui mettent tout en commun, on s'en méfie terriblement en hiérarchie, et c'est pour ça qu'on les limite et qu'on les réduit. Donc les micro-sociétés, ok, d'accord, je suis favorable à ce qu'on les autorise, mais même elles me font un peu peur. Voilà. Je suis pas forcément. Je préfère que les gens appartiennent à plusieurs trucs, et donc on est déjà sur une société un peu plus large. Et la misarchie n'est pas micro, elle est sur un territoire relativement grand, avec plusieurs dizaines de millions d'habitants, parce que inventer des possibles vraiment différents. Dans le micro, c'est assez facile. Ce qui m'intéressait, moi, c'était de faire quelque chose d'assez différent à grande échelle. Bon, par exemple, si vous voulez supprimer la propriété dans un groupe de 10 personnes, c'est très facile. Parce qu'à 10, on s'arrange, quoi. Tout le monde se connaît. Si vous voulez supprimer la propriété à 10 millions, ça va pas du tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'il y ait des systèmes d'appropriation. Non, c'est pas le prix de la course au premier qui chope les patates, c'est les siennes. Il faut s'organiser un peu là-dessus. Et donc, mon objectif, c'était de construire quelque chose qui soit pas une des micro-sociétés, mais une société avec du micro dedans, mais aussi du macro. Et sans classe, les classes sociales, telles qu'elles sont habituellement pensées, sont dans la durabilité d'une certaine mono-appartenance. Je suis ceci et depuis plusieurs générations et je finis par avoir une culture qui correspond à cette identité-là. Et tout ça est divisant et contraire à l'égalité. Donc, si il peut y avoir un modèle plus explosé, plus diversifié et avec beaucoup plus de multi-appartenance, y compris de classe, c'est évidemment préférable. Donc si je préfère plus de complexité à une stratification en classe. Donc si on peut aller vers l'apparition des classes au sens de cette segmentation brutale et inégalitaire de la société, eh bien j'y serais très favorable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de différence. Vous aurez toujours quelqu'un qui joue un peu mieux de la musique que l'autre, quoi. Et on sera 600 à gratouiller la guitare et il y aura deux guitaristes professionnels face auxquels on fermera nos gueules parce qu'ils sont quand même plus bons. Et voilà. Et ça ne me dérange pas. La limite du pouvoir par l'État, c'est une des fonctions. Pardon, la limite du pouvoir, c'est une des fonctions de la Constitution. La Constitution, aujourd'hui, c'est un texte qui a pour finalité d'organiser la différence, les divers pouvoirs. Et d'organiser des balances entre ces divers pouvoirs. Alors, après, elles sont plus ou moins intéressantes, les constitutions, mais si on prend même la constitution d'une constitution assez minable, pourrie et autoritaire comme la Ve République, on s'apercevra que quand même, il y a un pouvoir judiciaire, qu'il y a un président et un gouvernement, pas différents, qu'on a un parlement qui, et donc on a plusieurs pouvoirs qui, censément, sont en train de se balancer les uns les autres. C'est assez minable, il y a très peu de balance, mais il y en a un petit peu, et c'est effectivement une constitution. Et donc, bon, ce n'est pas une constitution despotique, c'est une constitution de démocratie minable, mais un petit peu démocratique quand même, hein, on connaît pire, voilà. Bon. Et donc, il y a de la limitation du pouvoir qui est prévue par la constitution. Maintenant, la constitution, c'est un modèle qui est la limitation et l'organisation des pouvoirs au sein de l'État. Et l'État est défini par sa souveraineté, donc sa toute-puissance. Et il me semble que si on veut aller vers une division sérieuse des pouvoirs, il faut arrêter d'utiliser le mythe de la souveraineté, qui est un mythe de la toute-puissance. Et la toute-puissance, quand on a comme adversaire le pouvoir, eh bien la toute-puissance, c'est un concept qui ne doit pas nous plaire. Voilà. On veut bien qu'il y ait des puissants, j'ai dit OK pour des leaders, mais alors des leaders tout puissants, non merci. Voilà.
Et donc, pour faire simple, une constitution qui limite les pouvoirs au sein de l'État, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut une myriade de textes et de constitutions. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire on se tait, on se Oui, on va passer à la pause. Je sais qu'il y a encore énormément de questions. Le chat en est plein. Pauvreté et pouvoir, juste après j'arrête. La domination économique et la domination en général sont évidemment très profondément liées et le maintien dans la misère est un des grands ressorts de la domination. Mais je pense qu'il y a encore plein de questions et on pourrait en discuter encore beaucoup, beaucoup avec toi. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on continue à lister en fait ces questions et que ça alimente une rencontre demain. Demain, dimanche, à peu près à la même heure. Et ben, je pense que là, ça fait déjà 2 heures qu'on est tous assis devant nos PC. Je vous proposerais bien de faire une pause et qu'on revienne ici à 10h30 pour faire une place de marché des différents sujets que vous aimeriez travailler en atelier tous ensemble. Est-ce que ça vous va? Une avance pour tous les gens qui ont posé des questions sur la partie finance et capital et que j'ai placé en dernier. Je suis désolée. Mais c'est pas fini. Non, mais pour pas que les gens se sentent lésés. Non, ça aurait été plus simple. Tu veux leur place? Tu veux faire un Non, c'est pour Emma. C'était Hervé. Ok. Non, c'était. À tout à l'heure, tout le monde. 10h30, à tout de suite. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci à toi, Lisa. T'avais fait comment pour les doses alors? Bon. Les doses, t'avais fait deux? Non. Là, c'est pour 4 petits trucs. Oui, ça grâce. Elle a la terrasse, c'est bien. Ça marche. Ah, c'est chouette. C'est plus clair, hein. Ah, good job. Good job. Mais, quand on a essayé. Ouais, je vais pas faire essayer. Ouais, c'est bon. Allez, tu vas faire le mieux. Allez, c'est vrai que c'est bien, mais c'est ça. Ouais, c'est bien. C'est pas chouard, la balle, c'est normal. D'accord. Tu m'envoies les photos que tu dis. C'est bien, là, c'est tout blanc. Fais comme ça, en fait. D'accord. Mm-hmm.